D'abord, ce qui m'a motivée à venir, même, c'est que j'ai l'ambition d'aller continuer les études aux USA. Et de tout mon cœur, cette séance m'a fait beaucoup de bien. J'ai appris beaucoup de choses. Aux États-Unis, les bacs à ordures, à tout bout de champ, il y a les bacs à ordures, à tout bout de champ. De sorte que quand vous avez votre sachet, vous n'avez même pas le cœur de jeter ça comme ça. Parce que votre conscience va vous gronder. Il y a un bac à ordures à quelques mètres. Donc vous n'avez même pas le cœur de jeter ça comme ça. Ce qui m'a motivé à participer à votre entretien, c'est la richesse donc du contenu. Alors, quand on parle d'expérience aux États-Unis, c'est très important. Nous aussi, on a besoin de découvrir, de savoir ce qui se passe là-bas. On ne va pas donner une maîtrise à quelqu'un qui n'est pas capable de parler maths, de parler physique, de parler français. Voici 12 exercices du SAT. Le SAT, c'est le BPC. Ici, il n'y a que 12 exercices. Donc imaginez-vous maintenant, il y a les livres de GRE, tout est sorti, mais c'est pour vous dire à peu près ce qui vous attend pour le GRE. Améliorer votre anglais. Quelque chose qui peut vraiment aggraver votre choc culturel, c'est quand vous avez une difficulté criarde de vous communiquer en anglais. En tout cas, si vous ne maîtrisez pas l'anglais et que vous allez tomber là-bas, vous allez pleurer. Ça, je vous le dis. Parce que du coup, puisque vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous ne pouvez pas vous exprimer. Vous avez l'impression de ne rien connaître, de n'être personne, donc vous êtes juste là. Vous voyez, vous savez que vous prenez, mais vous ne pouvez pas dire. Et vous ne pouvez pas imaginer combien c'est frustrant. Donc il faut maîtriser l'anglais. À partir de maintenant, chaque nuit, il faut écouter 5 minutes. Ça fait chut, vous n'entendez rien, mais vous écoutez. Vous préparez psychologiquement, vous écoutez seulement. Elle me donne vraiment l'envie d'apprendre et d'aller en tout cas vers l'international, accueillir des connaissances. Et j'appelle aussi aux camarades de ne pas négliger vraiment les études. Et parce que c'est par là qu'elle est passée pour aller découvrir l'extérieur. J'aimerais aussi aller là-bas et venir conscientiser mes soeurs, mes frères de bien étudier pour après se rendre là. Détaillé donc sur ce qu'ils appellent le syllabus. Donc quand vous entrez le premier jour après les présentations, comme on l'a fait en début, ils vous partagent les syllabus et vous discutez sur ça. Ils disent voici ce qu'on va faire tout au long de ce semestre. Donc vous êtes au courant de tout dès le premier jour. Le choc culturel peut se définir comme la difficulté que vous rencontrez dans une nouvelle culture due au fait que vos manières de faire dans votre culture précédente là, vos manières de juger les choses, hein, de valoriser les choses, vos manières d'échanger, vos manières de faire certaines, même d'accomplir certaines activités telles que les achats et autres, hein, vous, c'est différent hein, par rapport à ce que vous faites à la maison. J'ai beaucoup apprécié aussi les conseils, comment s'intégrer. Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer, comment se comporter face au choc culturel, tout ça. Bon, ça m'a beaucoup appris, quoi. Il nous a donné quelques astuces, surtout les programmes d'été, pendant les vacances. Voilà, réussir en un temps record et voilà, avoir ses diplômes dans un temps record et efficacement. Ce programme, proprement dit, elle est vraiment encouragée parce que nous, on a beaucoup appris là-bas, on a eu à faire des erreurs et si on se tait comme ça, beaucoup de personnes vont aller et puis souffrir les mêmes choses. Très belle expérience que ces différentes présentations, partager son expérience, dire aux autres qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller comment ça se passe là-bas. En tout cas, c'est un projet qui est génial. Et puis, que dire de plus? Bon, à chaque fois qu'il y a un programme, si nous adressons les invitations à nos docteurs et puis aux travailleurs, ils participent.
Donc, on peut dire que ça se